suis satisfait de ce tournoi parce que c'est du pain béni pour nous. Pourquoi? Pour nous, nous sommes en préparation d'une échéance qui est capitale. La Coupe du Monde, bien sûr. D'abord les Jeux africains, puis la Coupe du Monde. Et je suis vraiment satisfait de la manière où nous avons abordé cette médaille qui était pour nous. Et on a abordé ce tournoi avec beaucoup de sérénité. Nous avons gagné les deux matchs avec 5 buts encaissés, 0 buts. 5 buts marqués plutôt et 0 buts encaissés. Et c'est, je pense que pour moi, c'est un bilan positif par rapport à cela. C'est la compétitivité. Vous savez, quand on travaille, quand on ne travaille pas assez, on ne va pas atteindre nos objectifs. Il va falloir juste qu'on travaille, qu'on s'y met au travail et puis cette collectivité, ça va descendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, cette équipe a été, comme j'ai dit, on a mené peut-être en 2 jours. Si j'ai dit mené en 2 jours, c'est le jour de la compétition. En amont et en aval, on a pu faire ce résultat dans la collectivité. Je dirais, parler de la Coupe du Monde, c'est très tôt. C'est très tôt, pourquoi? Parce que, il y a, comme je dis, c'est tôt et c'est court et c'est long. Pourquoi? Il y a d'abord les Jeux africains, ça ne compte pas. Et c'est ça qui va nous amener à voir si réellement notre objectif, on va atteindre nos objectifs par rapport à cette préparation. Et, soyez-en sûrs, on va bien préparer ces Jeux africains parce que c'est ça qui est la priorité. D'abord, dans un premier temps, puisqu'il y a certains éléments qu'on va récupérer pour essayer de parfaire notre équipe. Ce n'est pas parce que les autres là ne peuvent pas, oui, elles peuvent, mais vous savez, cette compétition, on doit faire, on doit aller le plus long possible. C'est quand même inquiétant pour moi, parce que c'est un élément, je ne dirais pas plus parce que ça, c'est un secret. C'est un secret. Vous savez, si un joueur se blesse comme ça, psychologiquement, ça joue quand le mouvement s'y va. Ainsi de suite, nous, on va garder notre calme en espérant la récupérer très très bien. Il n'y a plus de petite équipe actuellement. Il n'y a plus de petite équipe. Vous pouvez venir penser. Tant que cette équipe, vous allez marcher sur cette équipe. La preuve, vous avez vu la première journée, ça a été vraiment compliqué. Parce que si mentalement, dans votre tête, vous dites que non, je m'en vais affronter cette équipe qui est faible. Vous allez passer à côté de la plaque. Certes, c'est les adversaires, pas quand même bling-bling par rapport aux autres qu'on a eu à retrouver. C'est-à-dire, pendant la préparation, on prend les équipes soi-disant gros et soi-disant faibles pour essayer de parfaire sa préparation. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et cette compétition, ce tournoi nous a vraiment beaucoup servi. Ça a été intéressant. Avec l'équipe du Congo, de la Centrafrique, il y a une variation de niveau, de quelque sorte. Et vraiment, je suis satisfait. Je suis satisfait, c'est tout ce que je peux vous dire. Par rapport à Chelsea Ngolo, je pense que c'est 5 gardiens qui ont presque le même niveau. Et c'est la meilleure qui joue. Du côté de la Capitana, il y a Yashi, que je ne vais pas dévoiler ici. Naomi Eto'o n'était pas là. On va clarifier ça pour nous dans ça.